Oh, on fait la pérouse. Recule donc, j'aime pas les mains maladeuses. Je te toucherai plus. Promis. Je peux m'asseoir à côté de toi. S'il te plaît. S'il te plaît. Tu vois derrière les arbres, là-bas? C'est la route qui va chez moi. J'irai dimanche, peut-être. Moi, je suis de Picardie. Je suis pas retourné depuis 3 ans, c'est loin. 3 ans? Ça doit être dur d'être séparé tant que ça. Oui. On sait quand on part et on sait pas quand on revient. Si ça se trouve, je reverrai jamais ma famille. J'aime mieux pas y penser. Ça fait longtemps que j'ai pas vu maman, je me languis. Mais je suis là, moi. Je suis là pour te consoler. Pardon, pardon, Jacques. Je t'ai pas cassé le nez, au moins. Ah, tu sais te défendre, toi, au moins. Faut bien. T'as mal? Ça passe un peu, là. Tu m'as tapé en plein milieu, là. J'ai vu 36 chandelles sur le coup. Aussi, c'est pas bien de me mépriser comme ça. Mais je suis point méprisant, Rose. Je suis amoureux. Les belles paroles que voilà, je te crois point. Si tu m'aimais autant que tu dis, au lieu de me sauter dessus comme un bouc, tu me ferais ta demande en mariage. Mais le curé, Rose, les demoiselles d'honneur, le riz, la maison, les enfants, tout ce qui te fera plaisir, Rose, tout. Mais donne-moi un baiser, un petit béco. Allez. Alors la Rose, d'où tu viens là? C'est quoi ça? Retourne garder tes moutons. Hein? T'étais où, là? Oh, gamin, va. Quelqu'un répare l'enclos. Pierre, tu pourras te charger de la besogne. Pas besoin d'être trois pour sarcler. Tu peux m'amener la cruche, Jacques? Qu'est-ce qu'il y a? J'attends un enfant. Thank you.
Jacques. Jacques. Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu me maries vite avant que mon ventre y soit. Et si on devait marier toutes les filles avec qui qu'on couche? Mais tu m'as promis. J'ai dit ça, moi? Tu l'as dit, tu vas le faire, tu m'as engrossé, tu dois tenir ta parole, on se marie comme on avait dit. D'accord, on se marie. Enlève la fourche, Rose, s'il te plaît. Quand? Quand tu veux. Tout de suite, tu feras publier les bans. D'accord, tout de suite, demain matin. Jure ou t'es mort? Je le jure. Sur le bon Dieu? Je le jure sur le bon Dieu. Bon, ça devrait aller, ça, Jacques. Tu m'en trouves à la clôture, là? Oui, notre maître. Depuis Dieppe, j'ai marché toute l'année. Quand tu passes par les grandes ventes, t'arrives où t'as un choix. Okay. Jacques est point là? Elle est partie, le Jacques. Je lui ai demandé son compte. C'est Louis qui a pris sa place. Il est parti, mais pourquoi? Depuis quand? Et ce matin, je l'ai croisé sur la route. Où qu'il allait? Voir du pays, les jeunes. Trop, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Mais mon Dieu, le repas était bref, hein? Quoi? Quoi, où t'as la tête? On mange point de ragoût? Excusez-moi, elle saute depuis quelque temps, là, ma pauvre fille. J'ai point fait exprès. Mais elle est point saute, elle a la tête ailleurs. Hein, la Rose, que tu penses à autre chose? Ou à quelqu'un? À personne, pourquoi tu dis ça? L'amour rend-il pas un peu bête? C'est ce qu'on dit en tout cas. Y a point d'histoire d'amour, je suis fatiguée, c'est tout. T'as pourtant l'air bien épanouie. T'aurais pas quelqu'un au village?
Laissez-moi tranquille. Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Ça ne va pas, mon petit? Vous m'attendiez? Vous voulez me parler? Attendez-moi dans le confessionnal. J'ai fauté mon père. Quelle est votre faute? J'ai volé mon maître. J'avais envie d'un joli chapeau pour mettre le dimanche. J'avais point de quoi le payer. C'est le démon qui m'a poussé à prendre cet argent, pour sûr. Je suis une fille honnête. Pourquoi que j'ai fait ça? Mon Dieu, que je regrette. Vous avez déjà dépensé cet argent? Oui. Quand le maître va s'apercevoir, il va me chasser. Je suis déshonorée. Personne ne voudra plus de moi. J'aime mieux mourir. Je vois que votre repentir est sincère. Oui, j'ai honte. Alors tout n'est pas perdu. Quelqu'un d'autre que moi et que Dieu qui voit tout, c'est ce que vous avez fait? Non. Rendez ce chapeau et faites-vous rembourser l'argent. Vous le remettrez à sa place et vous réciterez dit Notre Père. Mais si je peux point le rendre, ce chapeau? Ayez confiance en Dieu. Bonjour, Facteur. Bonjour. Mademoiselle Rose, une lettre pour vous. Moi? C'est bien votre nom, là. Oui. Je vous sers un verre de cidre? Une autre fois, merci. Bonjour, Rose. Votre affaire de chapeau s'est arrangée? Oui. Merci, monsieur le curé. Je viens pour autre chose. Vous apprenez bien à lire aux enfants. Oh, j'ai fini ce temps-là. Il y a des instituteurs, maintenant. C'est parce que j'ai guère été à l'école, j'ai oublié mon alphabet. Vous voulez que je vous apprenne à lire? Oui. Enfin, non. J'ai point la patience d'attendre si longtemps. C'est écrit quoi, là? C'est écrit Jacques? Non. C'est écrit Césaire Dentu. Je connais point de Césaire Dentu. Et à côté, il a marqué adjoint. Adjoint au maire, sans doute. Ma chère fille, la présente pour te dire que je suis bien bas. Notre voisin a été chercher Maître Dentu, qui a pris la plume pour te demander de venir si tu peux. Pour ta mère affectionnée, Césaire Dentu, adjoint. Je vais prier pour votre mère, mon petit.
tiens, voilà la rose. Mais où t'étais passé? On t'a cherché partout. Ma chérie. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Rose? T'as eu un accident? C'est maman. La lettre dit qu'elle va peut-être mourir. Et moi, je suis pas avec elle. Je veux la voir. Je veux la revoir avant. Je veux m'en retourner chez nous. Voilà. Voilà. Oh. T'en fais pas, t'auras toujours ta place à ton tour. Hein? Reste dans le temps qu'il faut. Comment vous allez faire? Je vais engager une fille à la journée en attendant. Bon courage, ma Rose. Tu fais debout, toi. Faut que tu te reposes. Ça tourne et ça tourne dans ma tête. Je deviens folle. Monsieur le comte a repris la maison de maman. J'ai plus nulle part où aller. Arrête de te tourmenter comme ça. C'est mauvais pour ton lait. Mon lait? Tu penses? Tu peux point donner le sein pendant que je trime à la ferme. Je vais perdre ma place. Comment que je fais avec cet enfant? Je comptais sur ma mère pour le garder. Et ton mari, qu'est-ce qu'il fait? Mon mari? Il s'est loué dans une autre métairie. Il est loin. Il peut rien faire pour m'aider. Tu vas bien lui donner un nom à ce petit haut. Jean. Jeannot, comme son père. Bon, allez, je vais te le prendre, ton Jeannot. Je donne encore le sein au petit. J'ai du lait pour deux, va. Tu viendras le voir quand tu pourras. C'est vrai, Margot? Je te donnerai des sous, tu sais. Je m'arrangerai pour pas que ça te coûte. Viens, viens, mon bébé. Tu viens? Tu viens, mon bébé? Hein? Hein? T'es pas mon petit amour, toi. Je vais te manger de baisers, toi. Je vais te manger tout cru. Je suis point fainéante. Je peux travailler autant qu'un homme. Le maître, s'il est content de moi, il double mes gages et même plus. Si peu point se passer de moi. Et quand je serai une dame riche, je reviens te chercher, mon Jeannot. J'ai entendu parler d'une nouvelle laiterie au bois. 100 litres de lait par semaine, ça ferait bien. T'as raison, j'irai voir.
Ça n'a point été ouverte depuis que j'ai enterré ma deuxième femme. Ça se voit et ça se sent aussi. Alors pourquoi que tu donnes tout ce mal, on n'y va jamais. C'est ici qu'il faut recevoir les métayers et monsieur le curé quand il vient vous voir. Vous pouvez point continuer à vivre à la cuisine comme un moins que rien. Surtout maintenant, avec l'argent du lait en plus. Et comment que t'as su pour la laiterie, là? T'es un amoureux, hein? J'ai point de temps à perdre avec un amoureux, j'ai trop à faire. Cette fois-ci, juré, j'y vais. Vous êtes point mécontent, moi, notre maître. Je vous fais point perdre votre temps ni votre argent. Je crois bien même que je vous en fais gagner. Alors voilà, je me suis dit comme ça, celui qui fait la besogne de trois personnes, il mérite peut-être bien d'être payé pour deux. C'est pas respectueux, il va se fâcher. Vu que je vaux bien trois servantes, comme vous m'avez dit l'autre jour, vous pouvez peut-être faire un petit quelque chose pour mes gages. Ben voilà, c'est pas tant difficile. Il peut pas me refuser. Les autres là? Ben, oui, ben, ça tombe bien, je voulais te parler seul à seul. Ben, vas-y, toi d'abord. Fait chaud, hein? Oui. La saison est bien avancée, ça. C'est vrai. Vous êtes moins mécontent de moi, notre maître. Ouais. Je suis très content, Rose. Je sais point ce que la ferme deviendrait sans toi. Je peux plus me passer de toi. C'est bien vrai? Ouais, tout le monde te le dira ici, tout le monde le sait. Je sais point comment tourner ce que j'ai à dire. Mais il faut oser, vas-y. Je me sens pas bien vaillante. J'ai le mal du pays. Je peux m'en retourner quelques jours. Ben oui, va te reposer. Tu l'as bien mérité. Et vous, qu'est-ce que vous vouliez me dire? Oh, moi... Moi, ça va attendre ton tour. Je t'espérais bien aujourd'hui. Bonjour, notre maître. Bien, tu veux pas rentrer une minute, on sera plus tranquille. Tiens, assieds-toi. T'as déjà pensé à t'établir? Bon, c'est vrai, t'es une brave fille. Économe, efficace, rangée.
Une femme comme toi, ça ferait la fortune d'un homme. Ah oui, une ferme sans maîtresse, ça sert à rien. Même avec une servante comme toi. Alors, comme je suis veuf depuis des années, je me suis dit que... Enfin bon, tu veux bien? Quoi? Qu'on se marie. Mais qu'est-ce qu'il y a, Rose? Je te fais pas peur quand même. Hein? Je peux pas. Quoi, tu peux pas réfléchir? Fais pas la bête, là. Hein? Et t'as jusqu'à demain pour me donner ta réponse. Je peux pas, je peux pas. Mais pourquoi, mon Dieu? Mademoiselle, qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez l'air bien mal en point. Tenez, vous allez attraper la mort. Où c'est-il que je vous emmène? Vers Roncherolles. D'accord. Pas bien? Non, pas très bien. Tu veux une médecine? Non, merci, ça ira. Je me lève. Je m'excuse d'être liée à cette heure. Je vais me lever. Vous pouvez fermer les yeux. Reste où que t'es. C'est oui. Non, je peux pas. Je peux pas. Pourquoi tu peux pas? Dis-le, bon Dieu. Hein, t'es un amoureux, c'est ça? Hein? Peut-être bien.
qui ce marle-là, hein? Un volupied? Un sans-le-sou, un crève la faim? Si tu dis rien, c'est que je le connais. C'est Jean Baudu. Non, c'est pas lui. C'est Pierre Martin. Non, notre maître. C'est Point Louis quand même! Non, c'est Point Louis sur l'honneur! Je te jure, je le saurai, Rose. Je le saurai. C'est Jacques. Hein? C'est Jacques? Le valet de l'an dernier, c'est ça? J'ai bien vu qu'il te faisait les yeux doux, Jacques. Tout sauf lui, ça jamais. C'est bien sûr. T'as point promis de l'attendre? Jamais. Je jure par le bon Dieu que s'il revenait me demander, je voudrais point de lui. J'aime mieux rester vieille fille. Bah, si t'étais arrivé malheureux, on le saurait. Alors s'il y a point de conséquence, pourquoi tu me refuses, mon Dieu? Change. Va falloir rentrer les foins avant la pluie. Ouais, je pensais le faire avec le petit Pierre. Je peux avoir de la soupe, Rose. C'est demain que tu vas au marché? Oui, on a préparé la volaille. Combien? 20 poulets, 5 chapons, plus les œufs. À se marier. Demain, on publie les bans, d'accord? Regarde ta maman, si elle est point jolie, elle a l'air d'une princesse. C'est mal ce que je lui fais à cet homme. C'est un péché de me marier avec lui. Je suis sûre que le bon Dieu me punira un jour pour ça, je te le dis. Je lui fais des risettes et des mamours et puis je le vole par derrière. Mais non, qu'est-ce que tu lui voles? Il t'a point volé ta vertu, lui. Pour ce qu'en restait. Il le sait pas, c'est ce qui compte. C'était pas si déplaisant. T'es amoureuse?
Il est gentil. Mais s'il vient savoir que j'ai menti, quelqu'un m'a vu, peut-être avec un enfant, va aller s'en étonner auprès de lui. Je préfère être à 100 pieds sous terre. Mais pourquoi qu'il le saurait? Viens, mon cœur. Regarde. Oh, oh. Tu marches? Viens, mon cœur. Viens. Viens, mon cœur. Oh, bah, tu tiens tout seul? Viens. Viens. Oh. Comment qu'on va faire maintenant? Comme avant, on change rien. C'est ma malédiction, il aurait jamais dû venir au monde celui-là, mais s'il était point là, je serais bien malheureuse. Oh, mon genou. Je pensais à ta maman, je t'aime. Allez, va-t'en. Le mari va s'impatienter. Et c'est pour le coup que t'aurais des ennuis. Sois heureuse! Tu m'as fait peur, où c'est que t'étais partie? J'étais partie prier le bon Dieu. Vous êtes point fâché? Tu es point fâché, hein? Tu vas arrêter de me vouvoyer. Hein? Je vais y arriver puisqu'on est mariés. Ouais. Allez, je vais te faire oublier tes idées noires. C'est point un jour de tristesse. Alors, ça y est, tu l'as retrouvé, t'es marié? Et maintenant, je l'ai retrouvé, je la lâche plus, Marcel. Comme ça, l'envie de te voir, mon Jeanne. Tiens. Tu restes longtemps? S'il te plaît, maman. Va dormir avec moi. Non, je peux pas. Je dois m'en retourner à la ferme. J'ai déjà du retard. Tiens, j'ai une surprise pour toi. Et ça, c'est pour toute la famille. Oh, un lapin. Je peux le garder? Oui, il est à toi. T'as pas le temps de manger avec nous? Non, il faut que j'y aille. Mon mari va se demander où je suis allée traîner. Bon, allez, les enfants, allez jouer avec le lapin. Allez, allez, allez. Sois pas triste, mon Jeanne. Je reviens dans 2 semaines, comme j'avais dit. D'accord? Sois courageux, hein? Sois pas triste, parce que sinon, moi aussi, je vais être triste et je vais pleurer. Hein? J'y vais. C'est pour ça que j'ai eu du mal à y rentrer, à cause de l'orage. Elle s'était affolée. C'est à cette heure-ci que tu rentres? J'étais au marché, ça a pris du temps. Je sais pas ce qu'ils avaient, ils lâchaient pas leurs sous. J'ai trouvé des coques à bon prix. Tu étais devenue la patronne alors, hein? Qu'est-ce que je t'ai fait? Ça fait des mois que t'es plus pareil avec moi. Je te reconnais plus. Tu dis pas pourquoi? Non. Cherche bien, tu vas trouver.
Vous voulez entrer ? Asseyez-vous. C'est mon mari. Je ne sais plus comment faire, monsieur le curé. Je sais ce qui vous amène, il m'en a déjà parlé. Mon mari ? Il est venu vous parler ? Et quand ? Souvent, hier encore. Mais comment qu'il a su ? Il sait pour de bon ou il se doute juste de quelque chose ? Disons qu'il a de gros doutes. Il est très en colère, il dit beaucoup de mal de moi. Il faut lui pardonner ses moments de rancœur. Et il faut le comprendre. Ne restez pas vous ronger chacun de votre côté. Allez lui parler. Mais qu'est-ce que je vais lui dire ? Qu'est-ce que je vais devenir ? Il voudra pas en comprendre. Je me demande s'il n'est pas un peu passé. Vous parlez mieux que moi ou... Vous savez comment le prendre, vous. Allez-y, moi, je peux point le faire. Ah non, là, vraiment, je ne peux pas intervenir. Dans un cas comme celui-là, il n'y a que vous qui pouvez le calmer. Il y a parfois des miracles. Courage. Tu dis que tu t'es fait rouler, que tu savais pas ça quand tu m'as demandé en mariage. Quand on s'est mariés, c'était pas pour se retrouver tous les deux tout seuls jusqu'à la fin de nos jours. Tout seul ? Tous les deux tout seuls ? Oui, oui. Je suis un enfant, Rose. Je suis pas un enfant, j'en veux un. C'est comme une vache. Si elle a pas de vous, elle est bonne à rien. C'est pareil pour une femme. C'est pas de ma faute. Je sais, mais c'est contrariant. Ne te désespère pas. Il y a des gens dans le pays qui savent le secret des plantes. Ils vont nous trouver un remède, un filtre d'amour, je sais pas, quelque chose. Hein? Chapeau. Chapeau. Voilà. Faire le signe de croix sur ce pain cuit aux herbes. Faut le manger avant de s'accoupler et recommencer après. Ouais, c'est qu'on a déjà avalé beaucoup de décoctions, non ? Et alors ? On me dit là-haut que vous devez aller en pèlerinage. Où les herbes seront sans effet sur vous.
Décidément, t'es bon à rien. Hein. T'as pas toujours dit ça. J'ai mélangé la poudre à sa soupe, comme vous m'avez dit. J'ai tout fait, comme vous m'avez dit. On a même été en pèlerinage. Mon ventre reste vide. Et mon mari vieillit, il se ronge. Il a le sang qui tourne. Il jure pire qu'un charretier, il devient méchant, j'ai peur de lui. Vous voulez ma mort? Je sais pas, moi. Tiens, essaye donc la corne de bouc en cendrant. Tu vois, tous les jours. T'en mets une toute petite pincée dans un verre de vin. Tu vois, pas plus que ça. Mais ça, c'est radical pour la virilité, ma fille. C'est pas un problème de virilité. Il est solidement armé. Ah bon? Bah, c'est que le fusil est pas chargé, alors. Tiens, je vais te trouver de la poudre à canon, moi. Tiens, tu vois ça? Ça va droit dans la cible. Mais tu fais attention, hein. T'énerve pas. Et va pas ici me doubler la dose, hein, sinon c'est lui qui explose, tiens. Vous êtes sûr cette fois? Juré. Toi, tu vas nous faire des jumeaux, ma fille, je te le garantis. Il manquerait plus que ça. Fainéante. Où t'étais passé pendant que nous autres on suait, hein? Vous avez fini les foins? Fini les foins, pourquoi ça t'intéresse? Putain. Voilà ce que t'es, une putain. T'es bonne qu'à te faire monter, mais pour le reste... Une traînée en chaleur, une salope, voilà ce que j'ai épousé, une salope! Avec qui que t'étais pour rentrer la nuit, là? Avec personne. Tu me prends pour un imbécile? Non. Chez la guérisseuse. Je suis pas malade. Arrêtez ces foutaises, nom de Dieu, là. Si tu veux point aider la nature, viens pas te plaindre. C'est pas juste de t'en prendre à moi. C'est une salope. Besoin d'aide? Je me suis fait mal. On s'est pas déjà vu? Si, je vous reconnais, il y a 6 ans. Oh, je le disais aussi. C'était au même endroit. Votre destin. Vous voulez pas regarder ma jambe? Je vois point de mal. Vous êtes marié? Vous aussi? Vous avez des enfants? Oui, un garçon, 4 ans. Ah, c'est bien ça. Moi aussi, je voudrais avoir un enfant. C'est plus haut que j'ai mal. Ah oui, je vois une marque là. C'est plus haut, au genou. Là? Oui.
sens une enflure sous ma main. Tu la sens, ma main? Tu la veux? Fais-moi l'enfant. Fais-le-moi, toi. Fais-le-moi, toi. Personne ne le saura. Jamais, je le jure. On peut nous voir? On peut nous voir? Mais non, il n'y a personne. Mais si, qu'est-ce qui me prend? Attends, qu'est-ce qui m'arrive? Ah, je deviens folle. Oh. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu vas où? Mais reviens! Je suis possédée par le diable! Donc viens ici, laisse-moi! Je ne peux pas faire ça! Non mais reviens! Pousse-toi de là. Pousse-toi de là, je te dis, pousse-toi de là! Peut-être que j'allais dormir ailleurs, hein? Oh, me touche pas, sors du lit! Laisse-moi dormir avec toi, tu me sentiras pas. Sors du lit, je te dis, dégage, allez, où du balai? Je t'ai assez vu, là, hors de ma vue, allez, où du balai? Tandis que c'est l'île de Dieu, je vais plutôt dans le lit. Fous le terrier. Ah, ah. Allez, tu vas t'arrêter. Pas bien avancé parce qu'il faudra que t'en prennes une autre. Et encore une autre. Un vrai barbe bleue. Oh ah Dieu, tais-toi. Tais-toi, Rose. Tais-toi. T'entends? C'est pas moi qui peux pas avoir d'enfant. C'est toi. Parce que moi, j'en ai déjà un enfant. Lui avec Jacques, tu sais bien. Jacques, il devait m'épouser. Il est parti. C'est pour ça que je voulais pas qu'on se marie. C'est pour ça, toi, t'en as pas d'enfant. Tu sais pas, tu sais pas. Je voulais pas. La première fois que tu m'as pris sa force. Je voulais pas. Qui peut pas.
garçon. Oui, petit garçon. Jean. Ouais. Ben, c'est la meilleure, ça. C'est... Moi qui voulais en adopter un, j'avais demandé au curé d'aller chercher un orphelin, là. Ben, il est tout trouvé maintenant, tiens. Jean. C'est un bien beau nom, Jean. Moi, je l'aurais appelé comme ça si c'est moi qui l'avais fait, hein. Ah, Jean. Oh, ma Rose, oh, je suis le plus heureux des hommes, tiens. Grâce à toi, je suis le plus heureux des hommes. Oui, va t'habiller, on va le chercher, là. Hein? Maintenant, on a lui. Oui. Allez.